Salut à tous, c'est Pêcheurs de Trésors. Aujourd'hui, nous sommes à Agen et on a trouvé un pont super sympa. Regardez, c'est l'endroit idéal pour pêcher à l'aimant. Bon, il y a un petit peu de ferraille au bord, ça a sûrement déjà été fait par d'autres pêcheurs à l'aimant et peut-être même par des abonnés. Dites-nous-le si c'est vous en commentaire. Maintenant, l'intro, c'est terminé. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pêcher à l'aimant. T'es prêt? C'est parti. Allez, j'ai quelque chose sous ce pont. Allez, super. Oh, le couteau, il est beau. Ouais. Oh, mais super. Ah bah oui, en plus. Oh, mais alors là, bah, c'est un super premier lancer, ça. Ouais. Munition. Bien joué. Alors ça, c'était un outil. C'est quoi le deuxième nom qu'ils donnent aux bêches quand t'es en général des gens? Une houe. Une houe. Sûrement. Et oui, d'ailleurs, on l'a pas dit tout à l'heure, mais c'est le fameux pruneau d'Agen. Là, j'ai pas mal de choses. Sauf qu'il en reste. Wow. Qu'est-ce donc? Ah, on dirait un morceau de... Waouh. Un cylindre de voiture qui a été coupé en deux, on dirait. Pourtant, c'est censé être très costaud, ça. Bien sûr, Rasta toujours là, en pleine forme. Vous voyez, il a un harnais maintenant. D'habitude, il était au collier. Et là, il a l'air plus intelligent comme ça. Rasta, tu montres? C'est oh. Bien. Ça fait plan. Oh. Ah, bah une pédale. Sympa. Pédale douce. Une pédale d'eau douce. Ok, une canette. Allez, j'ai quelque chose. Wow. C'est rempli. Bah ouais, franchement. Ok, donc ça c'est un marteau sans manche. Ça c'est une pince à cliquer peut-être. On dirait un cliquet. Ça. Après, qu'est-ce qu'on a? Bon, rien de très intéressant. Ouais, on a des choses. Wow. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est un oiseau. Ouais. Un jouet pour enfants. Un jouet oiseau. Et il bouge, attends. C'est original. C'est drôle, hein? Ouais. Si vous savez ce que c'est, en commentaire. Ah ben un boulon. Ah oui, un franc. Un demi-franc. Alors, est-ce qu'on voit l'année? 50 centimes de franc, ça serait franc. Ah oui, 50 centimes de franc. Pardon, hein. C'est pas mon époque, ça. Ah, j'arrive pas à lire l'année, là. Alors, ça dit quoi de ton côté? Ouais, je vois. C'est quoi? Tournevis. Tournevis. Bien joué. Pour l'instant, Rasta est très bien là-haut. Posé sur son petit rocher. Ah! Wow! Sympa ça! On dirait un peu un bracelet. Ah, je vais sortir là. C'est cuivré. Regardez. Si, on dirait le morceau d'un bracelet cassé ou quelque chose comme ça. Sympa. Pas mal. Alors, des fois, il faut bien regarder l'aimant parce que même quand on pense qu'on a rien du tout, en cherchant bien, là par exemple, on a une ogive. Regarde comme elle se met droite avec l'aimant. Ouais. Travers. Hop. Donc bien sympa. Bon, on va aller voir ce côté du pont maintenant où il y a Baptiste. En espérant faire mieux. Maintenant c'est propre. Je vais me mettre sur la dalle ici. Ah, ça a dû être fait ici encore une fois, mais bon. On ne sait jamais. En tout cas, c'est très sympa le coin là. J'ai eu quelques trucs aussi. Bah oui, effectivement il y a des choses. Donc ça c'est une bien, clé. Bien rempli, ah moi aussi regarde. Ouais. Une clé. Ouais il en reste hein. Totalement morte. Et ensuite le cap roussé, les sardines à l'huile de tournesol, hein, écoute. Dommage qu'elle soit vide. Ah il y a un os. Ah ouais. Attention Rasta. Oh bon bon bon, il a failli tomber dans l'eau le pumpkin. Oh j'ai quelque chose de assez lourd. Ouais. Wow! Oh. Est magnifique! Oh! C'est quoi ça? Mais arrête! Attends! Y'a quelque chose dedans? C'est une boîte? Mais c'est trop bien ça! C'est quoi qu'il y a dedans? Attends, mais là, rien que les motifs sur la boîte, c'est quoi? Ils sont beaux, hein!
Ils sont pas abîmés du tout. Oh, mais ça fait. C'est vieux. Renaissance. C'est... Okay. Mais arrête. Écoute. C'est trop bien. Peut-être c'est une boîte de bonbons et on part juste en vrille. C'est de. Faut l'ouvrir par là, mais vas-y doucement. Je pourrais pas. Faut peut-être la nettoyer un peu avant. Mais elle est encore hermétique, y a pas d'eau dedans. Ouais. C'est un truc de dingue. Trop stylé. Mais. Des bonbons. Ah, peut-être. Mais là, la peut-être trouvée. Que c'est juste un truc en mode ancien, mais c'est des bonbons. Magnifique ça. Hein. Magnifique. Bravo. C'est incroyable. Là, mais attends, mais j'ai peur que. T'as fait une super trouille. Non, mais tu sais qu'il y avait un motif derrière aussi. Bah, on va le nettoyer doucement. Regarde. Hein. Mais comment ça peut être encore hermétique? C'est un truc de dingue. Ouais. T'entends? Bien fermé, ouais. C'est de la qualité, attends. Il y a quelque chose dedans en plus. Il faudra la nettoyer comme il faut, elle. Je sais pas si on pourra l'ouvrir. Hein. On va voir. Allez, je me suis décalé un peu plus loin que le pont. On va voir ce que j'arrive à trouver ici. Allez, fais-nous un beau lancer. Ah, trop haut. Je sais pas si c'est les algues ou pas, mais j'ai quelques trucs, je pense. Alors. Une pièce. Waouh. C'est un franc, ça, il me semble, ou deux francs? Un franc. J'ai essayé de voir l'année. Ouais, c'est difficile à lire. On verra plus tard. Oh oh! Un couteau. Cassé. Alors là, je viens de remonter cet aimant. Et regarde, il y a un peu de tout. On a une lame de couteau. Ah ouais. La même que t'as faite hier. Ouais, un peu dans le même état en plus. Et une pile quand même. Ah bravo. Bien ancienne. Donc c'est une belle. Dépollution. Et ça, j'ai cru que c'était un chargeur, mais non, c'en est pas un. Là, il y a un gros truc où je suis là. Regarde. Tu vois les bulles? Wow! C'est quoi ça? Regarde! Un piquet bizarre. Il est stylé. Boule au bout, il y a une petite sorte de flèche. Et un anneau à l'arrière, je crois. C'est un piquet de péniche? Non? Non, c'est pas un anneau. Non, je pense pas. Hein. C'est intéressant la flèche. Ça s'est bien tordu. Dites-nous en commentaire. Ouais, pour moi, c'est un piquet. Hein. Ah, qu'est-ce que tu nous sors de beau là? Des algues surtout. Ouais. Et de la vieille ferraille. Plein de choses. Ouais, il y a plein de choses. Ce canal, il est rempli encore une fois. Oh là là, regarde. Ouais, ah, moi aussi j'ai fait un couteau, mais rond. C'est pas que, on est pas arrivé de la belle surprise. Hein. Non, ça, je crois que c'est un morceau détrié. Et là, regardez ce que Quentin a trouvé. On va la filmer au téléphone pour focus. 25 centimes d'anciens francs. Ouais, 1903. Hey, donc, j'ai battu le record, non? C'est la record, c'était 1905. Ouais, 1905, j'ai battu mon record. Donc c'est la plus ancienne pièce qu'on ait pêchée à l'aimant. 25 centimes d'ancien franc, 1903. Ça c'est ancien, pour le coup. Très bien joué. En gros, c'est un vieux pont. Belle découverte. Ouais. Ah, il y avait un vélo ici. Ouais, mignon de vélo. Et un anneau gastrique. Ah oui, ça a été fait, mais il en reste. Ça a pas été trop. Oh, damn. Oh regarde, wow, comme elle est belle. Mais what? Elle est pas aimantée je mais crois non. Attends. Si. Elle est toute neuve. Je meurs. Non c'est italien, c'est du lire 1976. Regarde, bah, elle est nickel. Comme neuve. C'est du nickel. Regardez. J'hallucine. Ouais, ouais les pièces italiennes elles résistent très bien. Ah ouais, là c'est incroyable. Elle est. Regarde. Ils viennent de la fabriquer. Magnifique. Même pas une rayure. Ouais. Oh là là. Ouais oui, ouais 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 ouais. Ah t'as une pièce quand même. Où ça? Ah oui. Bah c'est mieux que rien, 2 centimes d'euros. Il y a sûrement eu un accident avec une péniche qui transportait des clous. Ou des coffres-forts. Des clous et des coffres-forts. Qui venaient d'Italie d'ailleurs. Tu connais l'expression être dans les clous? Ouais, c'est assez chiant. Oh là là. Eh ben, on est typiquement dans les clous. Ok, une clé à pipe là. Oh, elle est morte. Bon ben voilà. Donc là, on a changé de spot. On est un peu plus loin. Sous une passerelle piétonne. Mais il devrait y avoir des choses parce qu'on est à côté d'un stade, d'une école, je pense. Donc c'est parti, on va voir, premier lancé avec notre aimant Barbarian de chez Maison de la Détection. Baptiste, qu'est-ce que tu nous conseilles pour commencer la pêche à l'aimant? Barbarian, c'est un aimant qui a 1600 kg de force. Donc 1600 kg c'est énorme, c'est le plus gros du marché. Il faut savoir qu'il y a différentes gammes d'aimants 360. Et en général on conseille le Terror pour démarrer. Dans tous les cas vous avez le choix, vous avez le site qui est en description. Et vous avez le code promo Pêcheur de Trésor qui offre 5% sur toute la boutique. Allez c'est parti. Hop là. J'aimerais bien faire un vélo tout neuf là. Ah j'ai quelque chose là enfin. Bon oh oui un poids d'alter Baptiste. Ouais. Tu vas être content toi qui aime bien faire le sport. 2,50€ le kilo. Eh ben il y a 1 kilo. T'as gagné 2,50€. C'est bon ça.
J'ai eu aussi une vieille clé. Bon, pas des plus jolies, mais bon, c'est sympa. Et une bague peut-être. Ah oui, j'ai... J'ai trouvé une bague, Baptiste. Une bague ? Ouais. Aimantée ? Ouais. Elle est très moche. Mais bon, ça reste une bague. Quentin a quelque chose de gros juste au bord alors ? Je l'envoie derrière. Ouais. Fais-tu ? Non. Là, je suis sur ton émanche, François. Non, je pense pas. Hein. Ah non. C'est du béton armé. C'est un scooter. Ah ouais ? Ouais. T'es sûr ? Ouais, il est vers le haut, là. Il est droit, là. Ok. Bah, allez. C'est quoi le nom du club ? L'aviron à Genet. Allez, l'aviron à Genet. Hey, super. Merci beaucoup. Il y a un scooter, là. Je vais chercher le grappin. Attends. Faut qu'on le soulève un peu et après on attache. Bah, je pense. On peut tenter ça. Ouais. On va chercher le matos. Je reste comme ça, moi ? Bah, ouais. Donc là, on a repéré ce qui semble être un scooter. On va essayer de l'accrocher avec le grappin juste pour le rapprocher un peu et l'attacher. Parce que le mieux, c'est de l'attacher. Comme les scooters, c'est pas trop aimanté, autant directement l'attacher. Donc j'ai l'aimant sur la roue arrière. Je vais essayer de resoulever un peu. Tu vas pouvoir grappiner. Pour le grappiner. Ok. Ah, il est beau. Ouais. Je vais l'attacher. Ouais, mais du coup, on a pas de corde en plus là. Ah, il a l'air sympa en vrai. Je pense que c'est pas un truc trop lambda. Et en même temps pas trop lourd. Hop. Ah si on arrive à deux, bon on va se casser le dos, non? En vrai peut-être on peut, hein, faut voir. Ah Rasta, tu viens nous aider? Baptiste Rasta il fait des bêtises. Je sais pas si on y arrive à deux par contre. On va essayer. C'est haut là. Ouais c'est haut quand même. On va s'échauffer un peu le dos. T'es chaud pour tirer? Oui. Vas-y, il est chaud, Baptiste. Allez. Tu viens avec moi? Bah. Moi, je vais rester devant pour soulever. Mets-toi derrière, je pense. Ouais, faudra soulever pour qu'il passe la marche. On va tirer à deux sur la corde. Ouais. Et après, on va essayer juste de le monter. Une fois qu'il a monté ça, ce sera bon. Allez. 1, 2, 3. Continuez. Là c'est déjà pas mal. Là faudrait peut-être attraper l'arrière, non? Attraper le guidon. C'est quoi le Milan? Attends, tenez comme ça. Le guidon. Moi j'attrape le guidon. Ouais, attends, je peux tirer ça déjà, non? Je crois que tu peux. Attends. Et si t'arrives à... Ouais, on a besoin d'aide. Attends. Il y a quelqu'un qui arrive. Attends un peu, attends un peu, attends un peu, il arrive. Sur la corde, tu veux? Ouais. Ouais, vous pouvez tirer sur la corde. Ouais, ça fait maintenir. Ah, il veut pas passer par dessus. Faut le faire. Attends. Je rappe le guidon. Tu crois que ça fait longtemps qu'il est là? Ouais, vu la vase, quelques mois quand même. Ah, ça bloque. Allez, bon. Faudrait monter le guidon. On tire à 3, 1, 2, 3. On y est presque. Putain, c'est limite. Ouais. Putain, il faudrait une autre personne. Il y a le monsieur du club qui arrive. Attention qu'il retombe pas. Putain, il va retomber là, non? Nickel. C'est le plastique qui casse. Non, genre, c'est de la vase dans la bouche. Avec quel goût? On va avoir de l'aide. Mais bah, c'est vrai qu'à deux c'est impossible. À deux, ouais. Non. Comme ça. Alors, faut le travailler tout, mais c'est une galère. Ouais. Allez, allez, on est prêt? Allez. Non. Allez. Go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aïe. Ah, vite. On est presque. Allez, allez. Ouais. Allez. Bien joué, on est presque. Ouais. Ouais, enfin. Bien joué. Wouh. Bravo. Bravo. Merci. Ah nickel, ouais, il est quand même lourd. Belle bête. Bon, et bravo pour votre chaîne quand même. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est pêcheur de trésors. Sympa. Ouh, ouais.
nickel. Merci beaucoup pour le coup de main en tout cas. Ouais. Bon, il n'y a pas de plaque on dirait. Hein. Il n'y a rien dedans. Non, il n'y a rien. Ok. Bah ouais, entre quelques semaines et quelques mois. Il a eu le temps de rouiller quand même. Sympa. Ouh, ouais, nickel. Qu'est-ce qu'on va en faire de ce scooter? Il n'y a pas la plaque, donc on va juste appeler la mairie pour qu'ils le récupèrent. On va le mettre à côté des poubelles. En tout cas, un grand merci aux abonnés qui nous ont aidés et aux non-abonnés qui nous ont aidés. Parce que c'est vrai que les gens nous aident même quand ils ne nous connaissent pas. Donc ça, ça fait très plaisir. Et pour ceux qui savent le modèle aussi, dites-le nous en commentaire. Ils roulent bien encore. Ouais. Attends, je vais peut-être faire quelques photos. Faire un tour surtout. Faire un tour avec. Pour ceux qui s'en rappellent, il y a tout juste 3 ans et demi, on était à peu près sur le même type de scène et avec Quentin, on avait remonté notre premier scooter qu'on était en train de tester. C'était une de nos vidéos qui avait le plus marché à l'époque et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier. On n'aurait jamais pensé être près de 390 000 3 ans et demi après. La vidéo est en description. Par contre, pas une seule trace d'essence quand on l'a remonté. Non, c'est vrai. Réservoir pas. Je pense que réservoir pas percé. Ouais. On peut regarder d'ailleurs de toute façon s'il en reste. Est-ce qu'on va le siphonner lui aussi? Ah, la dernière fois on avait siphonné le réservoir. Que cette fois-ci ça a pas percé donc je pense que soit ils sont en panne d'essence et c'est pour ça qu'ils l'ont jeté. Oh, il est plein. Ah ouais, ça serait con de le jeter. On a rien pour siphonner là. C'est de la vraie essence, hein. Il est pas percé. On a la poire à siphon, je crois. C'est vrai? Ouais. On peut tenter. Ah mais c'est galère là, d'y accéder. Non, elle est à l'avant. Ah ouais, on tente. On a pas de bidon. On a la bouteille à l'arrière. De coca? Ouais. Vas-y, on va. Allez, go, on teste. J'ai aperçu déjà quelque chose. Eh oui, c'est un antivol. De vélo. Alors les antivols comme ça, franchement, presque avec les dents. Ah non, il était coupé, ouais. Ah ouais. Oui. Ouais. Et elle est comme ça, c'est dommage, hein, mais. Ouais, c'est nul. Mettez pas ça. Ça sert à rien. Oh, mais j'ai une chaîne aussi. Ah ouais. Un collier. Plaqué, ça devait être du plaqué. Ouais, c'est du cuivre, il reste du cuivre. Ok. Elle est cassée un peu, mais je peux la mettre quand même, je pense. Oh. Ah, c'est horrible. D'accord. Filtre à gasoil, non? À huile ou gasoil. Et ça, avec un crochet, je sais pas trop. Qu'est-ce que c'est? Attention. Wow. Un amortisseur de vélo. Ouais, et ça... Ah, c'est une imprimante, je pense. Ou une machine à écrire, peut-être. Mais je dirais imprimante. Ok. Et ouais, l'amortisseur de scooter ou de mobilet. Allez. Oh oui, il y a des trucs. Le couteau. Attention Quentin. Mais il est beau, tu peux t'en servir. Ah en vrai, celui-là est très bon. Hein. Un couteau. On en a fait pas mal aujourd'hui des couteaux. Ah, j'ai quelque chose. Wow. Non, je crois que c'est une plaque de cuisson, je crois. Allez, t'as fait ton boulot. Ouais, c'est bon, je l'ai. Ouais, lecteur DVD, cassette, Sony. Ok, ben ça en moins dans l'eau, hein, ça a bonne dépollution. Ouais, ça fait plus cassette que DVD, non? Compact, si, disque. C'est disque? Ouais, disque. Eh, hey, il y a des choses là, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu sors de beau? Allez, je fais une remontée en direct, je la dédie aux jeunes de l'aviron là. On va voir ce qu'on a. À eux? Ouais. Oh non, bon, t'attendais à mieux. Pas tant que ça. Une serrure? C'est une serrure ça? Ouais. C'est tout rond? Non, c'est tout carré. Ah, il y a une pièce quand même, 1 centime. On oh, c'est pas déjà bien. Ça paye le lancer. Ça paye le lancer. Ils sont pas chers mes lancers alors. Non. À toute la journée en fait. Ça avait pas mal au bras quoi. Putain. Wow, une montre! Une montre de collection! Elle est horrible! C'est du toc et en plus elle a pris cher! Bon, ça reste une montre. Je suis content. Et là, regardez, je viens de retrouver une relique du passé, un hand spinner. Alors, est-ce qu'il fonctionne? Non. Il est rouillé. Il ne fonctionne plus. Tiens, Rasta, je te l'offre. Il le veut pas. Ah, qu'est-ce qu'on a?
Ah, j'ai déjà vu ça. J'ai déjà vu ça, mais je sais plus trop ce que c'est. Oh, j'ai plein de choses. Encore un cadenas. Cadenas pas cassé. Deux piles, donc ça c'est intéressant. Bonne dépollution, plus ce sachet plastique. Et ça, ouais, c'est un porte-clé intéressant, ouais. Peugeot. Ah ouais. Ouais, c'est un peu collector peut-être. Ça vient d'un garage Peugeot. Oh bah sympa. Les plus forts reconnaîtront avec le logo. Mais ça c'est l'ancien. C'est l'ancien et il a un moment celui-là, il me semble, de logo Peugeot. Ouais. Ce lion-là. Petit souvenir d'Agen. Faute de ramener des pruneaux, on va ramener des porte-clés. Ok. Encore une pile. Allez, j'ai pas mal de trucs je pense encore une fois. Ah quoique non, pas tant que ça. Bah celui qui a la meilleure découverte paye l'apéro. Allez. Ah ben voilà, un autre couteau. En aussi bon état que l'ancien. T'as un service entier. Franchement ouais, je prends. Hein. Je prends. Ils ont balancé tout le... Elle est sympa la couleur, je croyais que c'était la vase, mais ah, c'est la vraie c'est couleur. Pas la même, je l'entends. Il est un peu abîmé au bout, dommage. Ok. Une paire de ciseaux et encore une pile, c'est incroyable le nombre de piles qu'il y a ici. Quand on travaille un objet là. Allez, vas-y. C'est pas si lourd, mais c'est dans la vase. On va voir. Plein milieu presque. Oh, oh. Ça c'est de la suspension. Ouais, suspension de... de moto, hein. Bah ouais, elle est belle. Elle est pas très vieille. Je sais pas si elle marche. Ouais, elle marche. Attends, vas-y. C'est la main qui gêne. C'est bon comme neuf. Ouais mais pas que. Ah c'est ça c'est un arrière de scooter ou de vélo non? Ouais. Porte-bagage. Ouais qu'est-ce que j'ai encore? Oh là là. Ah bah c'est le reste de l'imprimante. La suite. Et un sachet vide. Allez. Oh oui, un tabouret. Et une fourchette. Après les couteaux, la fourchette. Ce soir, tu manges avec. Alors, t'as des trucs? Bah, plus grand chose là, ça commence à être propre. Ouais, bah, on a fait toute cette portion, on sait qu'elle est clean. Si vous voulez une partie 2 à Agen, dites-le nous en commentaire. Partie 3 même, Quentin. Oui, partie 3, ouais. Hop, 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 de hop, la hop, salade. Il y a un truc, Qu'est-ce que c'est? Un couteau suisse, ah non. Bon, ça va faire de vélo, je crois. Ah d'accord. Il y a autre chose. Et un pochon. Un pochon aimanté. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Alors. C'est une vis. On l'ouvre? Ouais, ouvre-le. Vous êtes prêts? La dinguerie dans le pochon. Des bijoux peut-être. C'était des écrous. Ouais. Un écrou et une vis. C'était sûr. Il y a eu un accident, le cache de ma montre s'est ouvert. Donc là vous pouvez apercevoir que c'est de la très bonne horlogerie. Du style Rolex, que du mécanisme à mouvement perpétuel. Voilà. En vrai. L'intérieur est pas si, si abîmé que ça. Ah non, par contre, il a bien résisté à l'eau. Baptiste, tu paries sur quoi? Alors, franchement, on a eu plein de pronostics. On a dit des dents, mais ça sonne pas comme des dents. Non. On a dit des bijoux, mais ça paraît comme étant plein de petites choses. Moi, je reste sur des dents. Moi, Wims a dit peut-être des munitions de plomb ou des munitions de fusil. Ah ouais. Des petites billes. Peut-être. Donc, possible. Des diamants. Moi, je dis que c'est une chaîne en or. Moi, je dis que c'est des dents. Moi aussi, je reste sur des dents. Pionnette de gamin. Comme Jade. Ça commence à se nettoyer petit à petit. Oh! C'est des. C'est quoi? Des perles. Des perles? C'est juste pour enfiler des perles. Rien de fou. Par contre, la boîte, elle est terrible, elle est en argent.
Ouais, les placards, genre. Non ? Des perles ? C'est pour faire un petit bracelet, un collier. Mais en quoi ? Des vrais ? Oh ! Ouais. On fait appel à vous pour l'expertise de ces pierres. Alors selon nous, ça vient certainement d'un chapelier, puisqu'en effet, on peut voir la présence de graines. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo de pêche à l'aimant. Vous le voyez, le coffre est bien rempli. Bon, on a triché un peu, il n'y en a pas qu'une là, mais c'est déjà pas mal. On a du bon poids. Ouais. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo de pêche à l'aimant. Bonjour.